fait un groupe de pop-rock britannique dans les influences c'est l'Arctic Monkeys, Coldplay, Arcade Fire. On a gagné chez Brooklyn cette année, qui était d'ailleurs, c'est là qu'on a rencontré la première fois Jean-Pierre Beaudoin. Puis on a aussi gagné le Hell Music au bar Le Magog quelques mois avant ça. Puis c'est comme ça qu'on s'est fait connaître dans la région, puis là, c'est pour ça maintenant qu'on va faire les festivals cet été. C'est sûr, c'est quelque chose de gros. L'année passée, on était plus en train de solidifier le band, ça, dans le sous-sol, ça, à faire une couple de petits shows. Puis là, cet été, c'est une mini-tournée des festivals. On revient de Valleyfield pour le festival Artefact la semaine passée, qui est en fin de semaine. Puis là, la conférence de presse officielle du Lac des Nations, c'est sûr, c'est quelque chose de gros. Là. Ça fait 2 ans que le groupe existe. Au début, on était une formation à 4. Puis là, ça fait 1 an officiellement qu'on est juste les 3 ensemble. On est en train de remonter notre show live, puis je pense que ça va vraiment être cool de montrer à la ville de Sherbrooke qui qu'on est. T'sais, ils entendent parler de nous un peu partout, mais pas grand monde nous a vus. Fait que moi, je pense que ça va être cool qu'ils nous voient pour de vrai en show, puis sur une belle scène, puis avec des vrais artistes. Fait que... On va faire la setlist officielle de notre premier CD qui va s'appeler Crazy Carnival, qui va sortir en septembre au Granada. Donc, ça va être un peu là, t'sais, une façon, on va distribuer des flyers pour inviter le monde au Granada en septembre pour acheter le premier album officiel. C'est un peu un rêve là, puis c'est vraiment le fun de jouer dans notre ville encore. Donc, c'est cool.